Ici, nous avons une Jeep Willys, qui est un moteur diesel, donc qui n'a jamais fait ici, loin avant nous. C'est une Jeep que j'ai, je m'en sers, je suis un passionné de la Jeep. J'ai toujours été un passionné de la Jeep, c'est un véhicule mythique pour moi. Et comme je suis un fervent du rallye SIM, étant donné que j'ai pratiqué toutes les pistes du rallye SIM par l'intermédiaire du rallye, et j'ai choisi de le faire dans les années 90 et 91 avec le Jeep qu'on peut voir là. Je l'ai fait pendant 2 ans et j'ai vécu ça avec amour, hein, et avec joie. Et donc je m'expose ici parce que nous sommes en pleine période du rallye SIM. Et donc j'en profite pour. Alors tu nous le présentes ce buggy? On se rappelle ce qu'était les SIM à l'époque où il y avait des petits véhicules qui pouvaient franchir toutes les spéciales du rallye des SIM, et on pouvait, à cette époque-là, on pouvait le faire avec très très peu de moyens. Ça m'a permis de le faire, moi, à cette époque-là. Alors c'est un outil de deux roues motrices, qui est équipé d'un moteur d'origine Volkswagen, qui à l'époque avait subi une petite préparation, bien entendu. Dans son jus, j'ai apporté aucune modification depuis que je l'ai fait à l'époque, dans les années 90-91. Et tu as pris beaucoup de plaisir au volant de ce buggy, je suppose? Oui, bien sûr. Certainement. Comme tout le monde, tous ceux qui sont fervents du rallye SIM. Tu roules toujours un peu avec? Et bien sûr. Avec les deux véhicules? Oui, avec les deux véhicules. Bon. Ils sont en état de... En état de rouler. Bon, mais c'est bien, ouais. C'est beau la passion. C'est la passion, oui. Tout à fait, oui. Ouais. La passion du rallye des cimes. Alors, je continue à vivre ça. Je ne le fais plus en tant que concurrent, mais je continue à vivre ça en faisant un peu d'assistance à des amis, à des copains qui le font encore et qui arrivent à suivre l'évolution donc, de la mécanique. Oui. Et donc je les aide parce que à ce moment-là, il faut des passionnés. Il faut que ces gens-là qui continuent à faire le rallye SIM, ou même que ceux qui s'engagent, les jeunes, il faut du monde à côté d'eux pour les aider, pour qu'ils puissent arriver, parce que l'évolution est tellement rapide et ça coûte très cher. Alors parlons de cette évolution, tiens justement, qu'est-ce que tu en penses, toi, cette évolution entre ce que tu as connu, hein, et puis ce qui se passe maintenant quand même? Alors contrairement à beaucoup de gens qui sont toujours contre l'évolution, qui ont beaucoup de freins parce qu'ils trouvent que ça coûte beaucoup plus cher, moi je pense que l'évolution est obligée de la suivre. On la subit tous les jours dans sa propre vie, et en matière du rallye SIM, ben, on est obligé de suivre cette évolution. Malgré que les pistes seront peut-être un peu moins cassantes, un peu moins accidentées qu'à l'époque. Il y en a qui ont beaucoup de regrets pour ça. Moi je dis, ben, ça fait partie de l'évolution et à quelque part il faut l'accepter. Étant donné qu'on est les premiers, quand on change de voiture, on est bien content de trouver des voitures qui ont tout un confort. Donc on est les premiers à apprécier l'évolution de l'automobile, de monsieur tout le monde. Dans les rallyes, dans la compétition, et surtout dans la compétition, on est obligé de la suivre et on ne peut pas faire autrement. Donc, moi, je n'ai pas systématiquement une critique à dire, si ce n'est qu'au niveau technique, certaines choses qui sont imposées dans la réglementation. Bon, il y a toujours de quoi redire, mais c'est toujours pareil. C'est facile de dire, mais après, il faut faire, et ça, c'est une autre chose. Bon, ben moi j'ai commencé en 72 ou 13. Bon, je préparais un peu la Jeep à juger chez Copart à l'époque, c'est pas d'aujourd'hui. Et on avait fait un rallye, donc avait arrivé à Cambo, et un rallye fabuleux. Le meilleur, je pense, que j'ai fait.
Alors, je t'ai porté quelques photos, là. Qu'est-ce qu'elle t'inspire? Qu'est-ce qu'elle te rappelle? Elles sont magnifiques. Surtout celles de Jugé, là. C'est magnifique. C'est une autre époque. Ah oui, surtout, même Jean Aguerre, là, je vois, avec l'auto de l'époque, qui était quand même un bon. Hein. Oui. Ouais. Après, c'est vrai que les autos ont changé. Les pistes aussi ont changé, parce que maintenant, on ne mettrait plus des autos comme ça sur le... sur les pistes actuelles. Ouais. Hein, quand dans le mur de Celaï à l'époque. Et... Effectivement. Il est là sur une photo, hein. Tu l'as reconnu, je suppose. Hein. Il est là. Et... on n'y passerait d'ailleurs, on ne peut plus y passer maintenant. Non. Que penses-tu, toi, de cette évolution entre ce que tu as connu, l'époque des Jeeps, et puis l'époque des buggy actuels? Bon, ça, bon, c'est pas comparable. À l'époque, nous, il y en avait des Jeeps. À fond, on était à 40 à l'heure, que maintenant c'est des autos quand même extrêmement puissantes. Et pour, qu'on a, on peut, pour les faire rouler maintenant sur ces nouvelles pistes. Quoi. Là, et l'évolution des pistes aussi qui est en fonction des voitures actuelles. Oui. Ah, c'est une évolution obligatoire. Ah, c'est sûr qu'avec les anciennes pistes, aucun buggy ne, actuellement, aurait 70% des autos qui ne participeraient plus. Donc le rallye des cimes n'existerait plus. Le rallye des cimes n'existerait plus. Jeanne, donc tu es donc la mémoire, une des mémoires vivantes de ce rallye des cimes, puisque tu le connais depuis l'origine et qu'il a son berceau ici à Lic. Hein. Dis-moi, tu as vécu grandeur nature l'évolution de ce rallye. Comment tu l'as vécu? Comment elle s'est passée? C'est une chance d'avoir vécu le premier, parce que ça veut dire que je suis plus très jeune. Tout ça. Mais effectivement, j'ai vécu le premier. J'ai même vécu l'avant-premier, puisque à l'époque, maman racontait que papa l'avait réveillé à 3h du matin pour lui dire qu'il avait une idée de génie, semble-t-il. Il voulait, il dit, tu sais qu'il y a des courses de jeep en Amérique, elle ne savait pas. Mais il y en a une, mais et puis tu sais où, Alic? Alors elle dit, mais je suis contente, est-ce que je peux dormir comme ça maintenant? C'était mon père avait cette idée, et c'était aux environs, puisqu'il est mort en 1958, c'était avant. Et il a. Donc, c'est comme ça. Les gens se sont servis des jeeps au début, comme un outil de travail, quoi. C'était de désenclavement aussi. Il fallait aller. On avait teinture. Les premiers essais de jeep ont été faits en teinture, en fiat, en des écarts. À la fois faire connaître ce pays, parce qu'il le trouvait beau et qu'il l'aimait, qu'il avait envie que les gens viennent le voir, et deux, il n'y avait pas de réglementation, pas d'où il n'existait rien. Et puis la fédération s'en est mêlée, il a fallu créer des règlements, il a fallu définir les tracés, les toits. Enfin, tout a été fait d'une manière réglementaire, il a fallu quand même, et Dieu sait que le règlement a fait évoluer jusqu'à nos jours, et pas forcément dans la facilité. Hein. C'est évident. Bon. Alors, dès qu'on met des règlements, on met des barrières, on met bon. Des barrières, mais c'est aussi quelque part des garde-fous. C'est aussi des garde-fous. Okay, absolument. Ouais. Ceci est devenu une affaire financière. Il faut les nourrir. Il y a toute une organisation qui coûte très cher. Bon. Et il a fallu financer tout ça, trouver des gens, des sponsors. Bon. D'une part, on a fait appel quand même aux collectivités locales, au conseil général, au conseil régional, toutes les instances quand même pour solliciter les aides. Il fallait avoir des arguments en quelque sorte. C'est-à-dire dire, ce que nous faisons, c'est pour l'économie locale, un pays qui est quand même un fond de vallée où il ne se passe pas forcément toujours grand-chose et qui ne roule pas sur l'or. Il faut que les gens puissent vivre dans ce pays, et les faire vivre, c'est aussi faire connaître ce pays et
et faire que le rallye des cimes soit un vecteur, justement. Et un moment où les gens, où la machine économique... Et on va parler un peu du côté économique pour la vallée, qui était donc un des vœux du créateur du rallye. Est-ce que tu as vu ça évoluer aussi J'espère, parce que... Oui, je ne voudrais pas être immodeste, mais je crois qu'à une certaine époque, je me suis beaucoup attaché à ça, à faire donner une dimension au rallye qui dépassait la dimension sportive, si tu veux, et qui faisait que les VIP, les sponsors venaient. À une époque, on a mis des hélicoptères pour les baptêmes de l'air, reçu des entreprises qui venaient avec 100 personnes pour manger un raté. C'était des gens, et je sais encore que ces gens-là gardent des souvenirs, ont connu, ils sont revenus après. Il y a des retombées annexes, je veux dire, et qui font que ce pays, que le rallye ici, j'en suis sûr, fait qu'on connaît ce pays plus qu'il ne serait connu encore, en tout cas dans un certain milieu maintenant. Alors, pendant le déroulement du rallye, peut-être, là, cette année, sans un peu moins, peut-être les gens moins d'argent, j'en sais rien, mais il y a quand même eu des époques où les retombées économiques étaient importantes. Avec encore aussi, je veux dire, on remplit les gîtes, on remplit les hôtels, les restaurants, le château de Liban, les fêtes. Toutes les retombées annexes. On est quand même arrivé à prolonger même la saison jusqu'au rallye. Le rallye devient la clôture de la saison d'été pour les hôteliers, pour les... Enfin, il y a quand même tout un tas de retombées de collatérales, je veux dire, qui font que c'est quand même... C'est un événement sportif, certes, mais aussi médiatique, économique. Et puis, je disais, on a quand même essayé de faire en sorte que les gens profitent de cet apport de clientèle extérieure pour vendre leurs produits, pour vendre leur fromage, ou vendre... essayer de se servir. C'est un instrument. Bon, alors... Il faut essayer de le préserver à tout prix, à mon avis. Parce que, et puis c'est beau. Quand on a un jour, quand on est à la Madeleine, s'il fait beau, comme il va faire beau, je crois, dimanche, c'est quand même un spectacle étonnant, quoi. Mmh. C'est beau, c'est magnifique, le pays est beau, il y a un engouement, toute cette passion qui vit, tout ça, autour du rallye des cimes. Et puis, c'est devenu une institution, c'est quelque chose qui appartient à ce pays. Le rallye des cimes, c'est la haute soule, c'est la soule, pas que la haute, puisqu'il y a Molon aussi, mais c'est notre affaire, c'est à nous, ça. Mmh. C'est à nous de le préserver, c'est à nous de le faire grandir, et de le faire grandir dans cet esprit, pour en faire une épreuve automobile exemplaire, ça, ce que je souhaite, parce qu'il faut aller voir les gens, il faut leur expliquer pourquoi, il faut leur demander l'autorisation, il faut respecter les chemins qu'on emprunte, respecter tout ce que le rallye fait et apporte. Mais il faut aussi se dire qu'on a besoin on a besoin de tout pour survivre. Mmh. Bon, dans le rallye des cimes comme le reste, j'espère que les générations à venir s'y emploieront, c'est tout ce que je souhaite.